Pour célébrer les 20 ans de règne de Sa Majesté, Industrie du Maroc Magazine organise aujourd'hui le premier forum marocain des zones industrielles. Le sujet choisi pour cette édition, quelle zone industrielle pour un Maroc industriel d'aujourd'hui? Nous savons qu'aujourd'hui, le Maroc opère dans un environnement fortement concurrentiel, en pleine émergence avec la concurrence industrielle internationale, plein d'évolutions. On parle aujourd'hui de la quatrième révolution industrielle qui est l'industrie 4.0. Ce sont des questions qui reviennent à chaque fois, qu'on traite aujourd'hui dans nos événements, qu'on puisse éclairer le public industriel de ce qu'il attend comme révolution, comme développement de l'industrie. Et donc parmi les questions qu'on va traiter au niveau de ce forum, c'est aujourd'hui, quelles zones industrielles du futur en utilisation de la quatrième révolution industrielle, la transformation digitale. On a déjà entendu parler de la 5G aujourd'hui. Comment aujourd'hui l'utilisation de la 5G va bouleverser aujourd'hui les habitudes de production et de process industriels. Donc il y a beaucoup. Donc ce sont des questions qui vont être traitées aujourd'hui dans ce forum industriel. Parmi les sujets qui vont être traités au niveau du forum marocain des zones industrielles, c'est la spéculation foncière. On parle beaucoup, c'est la question qui revient toujours, comment on peut remédier à la spéculation foncière qui impacte les investissements industriels aujourd'hui des industriels, des développeurs aménageurs et même des membres du gouvernement à travers le ministère de l'Industrie ont répondu à ce questionnement. Parmi les sujets qui reviennent toujours à la thématique des zones industrielles, quels sont les choix que l'industriel a aujourd'hui pour l'acquisition de son foncier industriel? Est-ce qu'il loue? Est-ce qu'il achète? Ce sont des questions qui reviennent. Il y a chaque modèle a son avantage, a ses limites. Donc aussi, on répondra à ces questions. Parmi les questions aussi, c'est les zones industrielles durables et l'accompagnement de l'État. Dans ce sens, aujourd'hui, il y a le fonds ZIT. C'est un fonds en collaboration entre les États-Unis d'Amérique et le gouvernement marocain qui a mis à disposition pour des industriels qui souhaitent réhabiliter leur zone industrielle, qui s'inscrivent dans la durabilité, à un fonds de 30 millions de dollars qui est mis à la disposition. Et donc, c'est maintenant aux associations, aux gestionnaires de zones industrielles de participer de ce fonds pour qu'ils puissent accompagner, réhabiliter et inscrire les zones industrielles dans la durabilité. En fait, l'objectif toujours de Industrie du Maroc Magazine, en tant que magazine spécialisé dans l'industrie de l'investissement, c'est rapprocher cette offre qu'aujourd'hui l'industriel ou l'investisseur il a au Maroc. Donc le rôle que nous jouons aujourd'hui, c'est un rôle de promotion et de montrer ce qui se passe effectivement en termes d'accompagnement au niveau financement, en termes d'arsenal juridique, en termes d'accompagnement technologique, etc. Donc aujourd'hui, le rôle de ce genre de forum, qui est le forum marocain des zones industrielles, c'est répondre à l'ensemble des questionnements posés par des industriels, posés par des associations, etc. En fait, l'ensemble des recommandations qui vont se faire pendant toute cette journée d'étude des zones industrielles, elles vont être tracées sur un livre blanc au niveau de l'industrie du Maroc Magazine, qui va être adressé aux décideurs, aux présidents de chambre, aux associations, aux industriels, avec toutes les recommandations nécessaires. Aujourd'hui, le rôle, je précise que le rôle de l'industrie du Maroc Magazine est d'apporter l'information et d'éclairer ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'environnement. Ce n'est même pas d'être donneur de leçons ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, juste on présente, voilà les professionnels, qu'est-ce qu'ils disent, voilà leur avis, et voilà aujourd'hui comment on peut accompagner le développement industriel du royaume. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.